Pourquoi ce truc-là se déclenche à chaque fois que je passe sur cette scène? Deux secondes, faut que je vérifie un truc. Voilà, ça c'est mon visage. Et ça c'est Ron Swanson qui balance un ordinateur. Alors. J'arrive. Ok, on refait un essai, juste pour la bonne bouche. Mieux. Rebonjour YouTube, excusez-moi. On en recommence à jouer à Kitaria Fables. Ah, c'est vrai que Tempête, que t'avais raté notre premier stream sur Kitaria Fables. C'est assez choupi, mais je... Je sais pas si ça va vraiment être ton trip, parce que bon, c'est plus ou moins un jeu de farming, mais aussi un dungeon crawler où tu joues des petits chats mignons avec un... Ça va pas être ton truc, je pense. Je sais pas si ça va te plaire. Alors, faut que j'essaye de me rappeler comment on y joue au jeu. Aujourd'hui, c'est la journée où, après 2-3 jours de quête, on est censé découvrir comment on ferme. Parce que là, du coup, nous avons fait des quêtes, des combats, des trucs et des machins. Aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, on va se faire apprendre comment nous faisons du farming. Et c'est pour ça qu'on y revient, hein. C'est parce que on n'a pas vu facilement la moitié du jeu la dernière fois. Enfin, des mécaniques de jeu la dernière fois. Au village Patoon. Bonjour, êtes-vous le chef du village? J'ai un message pour vous de la part de notre commandante. Oui, je suis le chef du village. Puis-je savoir qui vous êtes? Directeur envoyé par le commandant Hazel, dirigeant de la forteresse Rivero. C'est de vous informer que la sécurité du village Patoon sera désormais assurée par ses soldats. La forteresse a été réaffectée? Oui, l'Empire a déployé un détachement à la forteresse pour maintenir la sécurité dans la région. C'est la procédure standard. Le roi pense que le peuple a besoin de protection supplémentaire et vu l'ampleur du fléau, la situation est tendue comme un string de brésilienne au moment du carnaval de Rio. Je vois très bien. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Non, rien de spécial, continuez vos activités comme d'habitude. Nos patrouilles commenceront demain, nous espérons que vous n'aurez bientôt plus à vous soucier des monstres rôdant autour du village. On va se faire chier. Merci d'avoir transmis le message, salut à la commandante de ma part. Nous sommes reconnaissants envers la capitale pour sa protection. Je le transmettrai. Soup zoup. C'est qui? On dirait un soldat de la ville. Bonjour tous les deux. Oui, nous informer que la forteresse a été remise en activité, c'est surprenant. Il semblerait que l'Empire prenne ce fléau au sérieux. Qui dirige cette opération? C'est sûrement un de nos supérieurs. Les ordres de la commandante Hazel. La prodige du combat? Pourquoi ont-ils décidé d'envoyer leurs meilleurs combattantes ici? On devrait aller la voir et aller faire un rapport sur la situation. On aura peut-être des ordres pour nous. Mais le farming? Non, d'abord on va... Le farming. Je veux dire, la commandante, elle doit être super importante, hein. Elle doit être super bien. Mais on a dit qu'aujourd'hui, on apprenait le farming. Bonjour. Tu m'as tout l'air d'avoir la main verte? Oui. Tu n'as jamais essayé? Tu n'es pas le petit enfant du tonton Payne? La combattante Hazel, c'est un oiseau. Je crois qu'elle est naze, Hazel, surtout. Donc, c'est quelques graines de carottes. Prends ton temps pour les faire pousser. Viens voir après ta première école. J'ai toujours les vieux outils de mon grand-père. J'ai toujours les vieux outils de mon grand-père. Ils sont où les vieux outils de mon grand-père? Bonjour. Pardon, j'aurais parlé moins fort. Les risques de découvrir ton secret. C'est incroyable la classe. Grâce à Dieu, on a appris que les mages étaient pas mauvais, voire que la plupart étaient en fait très gentils. Il y a un lourd malentendu qui pèse sur la magie, elle sert à protéger, pas à opprimer. Je crois qu'on a qu'un certain pouvoir, c'est que Mère Nature lui fait confiance pour protéger les gens, maintenant, oui. Oui, mieux vaut pas jouer au con avec ça. Ouais, bien sûr, oui. Mais tu veux quoi? Des dards d'abeilles? Et qu'est-ce que tu veux? Ok, très bien.
Oui, je vais te les récupérer tes dards d'abeille. Il n'y a pas de problème. Tiens, mais... apparemment, j'ai encore les outils de mon grand-père. Sage grand-oncle, sage arrière-petit-fils. C'est compliqué, la généalogie chez les Furries. Dans le coffre, là-haut, peut-être ? Motherfucking shit, fuck, goddamn bitch, fucking... Pardon, je le vis bien. Je suis extrêmement détendu. Les outils étaient là depuis le début. J'aurais pu commencer ça depuis 14 fois et je ne l'ai pas fait. God damn it. God fucking damn it. Le lierre, tu vas le mettre là-dedans. Ça, tu vas le mettre là-dedans aussi. On va juste garder les consommables. Voilà, genre les croissants. Non, je crois que les champignons, ils sont consommables aussi. Ceux-là, pas les autres. Les autres, ils sont venimeux. D'accord. Alors. Je réorganise, hein, j'en ai pour 2 minutes. Vous n'en faites pas, je sais ce que je fais. Alors, déplacer. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ensuite. Là-dessus, raccourci. Pour l'instant, on va se mettre en full mode, on bosse. Work hard et puis play hard après, du coup. Hein. Alors, donc, imaginons que je vais couper cette... Pardon, on va commencer par la pierre. Voilà, hop. We have note de cul sorti off de ronce. Hein. It's gonna prendre des plombes. Oh grand Dieu. Par contre, c'est mou, je vois pas de niveau d'énergie ou des trucs comme ça. On me fait pas ça, je... Parce que si tu me permets de faire ça de manière indéfinie, je ne réponds plus de rien. Attendez 2 secondes. Oui, je sais pas lire. Ah non, si tu ne me limites pas là-dessus, c'est pas une bonne idée, il faut pas faire ça. Je peux maintenir la touche ? Oui. Est-ce que ça va, le son du jeu ? C'est pas trop fort. Les boum boum. Non. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche par haut, oui. Non ? Je cherche par là ? Oui. C'est compliqué, les touches, elles changent à chaque fois dans chaque jeu, hein. Faut me comprendre aussi. Dire au bout d'un moment, c'est facile de juger, mais l'art est difficile, d'accord ? Les sonores sont forts, la musique ça va. On va baisser un tout petit peu pendant que... Non, vous savez quoi ? On va refaire la balance dans les options. Je suis certain qu'il doit y avoir un moyen de... Bruitage. Voilà, tu vas mettre les bruitages à genre... 70%. Ça c'est 70%, oui, ok. Tu vas mettre les bruitages à 50% et tu ne vas pas mettre la langue en balénien d'Indolésie. D'accord. J'ai pas l'impression que ça fait une énorme différence. Mais c'est pas grave. On a essayé. On a essayé très fort. Alors ça sert à rien, mais je vais tout nettoyer d'abord quand même, hein, parce que naturellement. Parce que je peux pas m'en empêcher, hein, parce que j'ai des problèmes comme ça, moi. Je... Voilà. Et tout propre. Et tout propre, à plus pierre, à plus cochonnerie. À pouvoir bosser maintenant. Donc, c'est parti. Je crois qu'on a 4 graines. Je sais pas qu'est-ce qu'on est censé faire avec 4 graines, mais apparemment c'est tout ce qu'on aura pour commencer. Est-ce que je devrais pas acheter tout de suite de nouvelles graines ? Est-ce que je devrais pas prendre ça directement au sérieux en disant « Fuck that noise !» Moi, je ne vis pas dans votre mépris. Attends. Non. On va y arriver. Hop, et raccourci, c'est...
Non. Raccourci, c'est Y, c'est pas X. C'est compliqué les touches, on en parle à chaque fois, je vous le dis que c'est compliqué. Voilà, je vais quand même faire ça. Et on va ranger en fait ce qu'on a récolté déjà aussi, hein, parce que là je me rends compte que je me balade avec des choses qui n'ont rien à foutre. Construire. D'accord. Bonjour, le jeu est-il disponible ? C'est une bonne question, il devait sortir incessamment sous peu, mais je vais aller vérifier. Je te demande un court instant. Je vais aller vérifier l'info. Ah, il n'y a plus de musique ! Quelle tristesse. Il sort le 2 septembre, donc il sera disponible jeudi prochain. J'ai la chance d'y jouer un peu avant la sortie, mais du coup, non, pas encore. Excusez-moi, vous savez, c'est cet influenceur life. On se rend pas forcément compte, effectivement, de la date de sortie des jeux, parce que vous comprenez ça. Pardon. Donc, j'y arrive pas. Hein. Je sais que c'est bien de faire semblant et que j'y arrive pas. C'est très chiant d'avoir que 4 raccourcis. J'entends. Ça aurait été bien. Enfin, techniquement, tu as 8 raccourcis. Si tu regardes, j'aurais aussi pu placer des trucs sur RT, RB, LB, etc. Mais c'est sûr que ça aurait été bien éventuellement de permettre à ce qu'il y ait un truc de combat et un truc de farming. Et de pouvoir switcher entre deux barres de raccourcis, mais c'est peut-être possible. Et n'oublions pas, encore une fois, ton rôle, que le jeu n'est même pas encore fucking sorti. Donc, voilà. Hein. Qu'est-ce que quoi ? Oh, attendez, ça change tout, ça. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Alors déjà des pièces patounes dans le sol, ça fait plaisir. Et il y a un plot twist. Il y a un plot twist de la taille de Dieu. Regardez bien sur votre écran, j'ai l'impression que quelque chose. Équipation. Non, tu me mets directement une zone de... Ok, d'accord, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas, écoute. Hein, je... D'accord, j'ai cru que ça allait me planter 9 graines par lancement. Mais pas du tout. Il n'y a pas l'air d'avoir de financement dans lancement en ce moment. On va retourner en ville, on va aller acheter des graines de carottes. C'est pas par ici, c'est par là-haut. Le shop va être fermé, il est 18h, elle se sera barrée, je pourrai plus acheter de graines de carottes, ma vie ça va être de la merde. Bonjour. Il m'en faudrait 5. Je vais aussi acheter 9 graines de pommes de terre si c'est possible. Hop. 5 graines de carottes. Et c'est un truc qui. Qu'est-ce qu'on a ? On a du chou. Chou à récolter en 3 jours. On voit. De toute façon, je suis pété de thunes, on va prendre 9 graines de chaque, j'en ai rien à foutre. Aïe. Alors, vous allez me dire, il fait nuit. Et je vais vous dire, je m'en fous. J'ai mes graines. Désormais, je suis virtuellement invincible. Bonjour. Alors. Aïe. Graines de carottes équipées. Boum, tu plantes ce qui manque. Magnifique. C'est cool ce truc de faire 8 en 9 tout de suite comme ça. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je vais supposer qu'une fois que j'aurai upgradé la houe, elle fera des trucs de 9 aussi toute seule. Alors, il serait possible que je me sois planté et que j'ai du coup fait une case et que ça va faire moche. C'est à quoi je vous rappelle qu'on gagne pas tous les coups. Hein. Parfois, voilà, on... Je suis un être humain. Hein. C'est avec mes faiblesses, mes foulures, mes esquilles aux jambiers.
tout ce pognon que je gagne juste en faisant le terrain chez moi. Et quelle heure? 21h. On va finir encore dans les temps, y a pas de soucis. Et comme ça, demain, on ira faire notre vraie quête, et pendant ce temps, il y a nos trucs qui pousseront, et ce sera top. Optimisation, en toutes circonstances. Voilà, Yorel. Vous savez que tu étais la représentante de la culture sur ce chat. Donc, équipé. Et parfois, Yorel, je vois toutes les autres chaînes sur Twitch et j'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si on fait toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. On a une jauge qui nous indique combien on a dans l'arrosoir. Ça aussi, qui pop à chaque fois qu'on donne un petit coup d'arrosoir, ça aussi c'est pratique. Que ça permet d'avoir effectivement une update relativement bien foutue de la situation. Hop. Bon, on va re-remplir l'arrosoir à ce niveau-là. Puis après on va l'espiéter parce que 23h par contre, faut quand même pas déconner non plus. Comment ça, pas assez d'eau? Non, je me suis bourré de touche. J'ai arrosé le puits au lieu de remplir mon arrosoir. Tout va bien. Ça serait super. Ça serait une excellente idée, ça, ton rôle. Oh, j'espère vraiment qu'ils vont faire ça. Maintenant que tu le dis, ton rôle, s'ils le font pas, je vais être déçu. Félicitations, tu viens de me pourrir le jeu. Non, mais c'est... Non, c'est une très bonne idée. Hop. Alors, par contre, j'ai... Ah oui, ben... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Merci. Bisous, Yurel. J'allais dire... Ah, c'est con qu'il n'y ait pas de touche pour auto-trier tout le reste. Il y a totalement une touche pour auto-trier les trucs. Bon, dodo. On a bien bossé aujourd'hui. Alors que je me rappelle du système de combat, ça fait quelques jours. On va y arriver. Alors, quelle gueule ça tire là en bas? C'est plutôt pas dégueulasse. Si je reprends la houe et que je repasse à couler dessus, non. On va juste vérifier. Est-ce que... La pioche peut-être? On va tenter la pioche. Sans conviction. Équipé avec X. Est-ce que je peux refermer ce truc? Non. Non, je pense qu'on va attendre qu'il disparaisse naturellement, ce sera sans doute une meilleure idée. Bon, ça manque de pelle. C'est vrai qu'il nous manquerait une petite pelle. J'ai des mannequins d'entraînement, oui. Oui, oui. Je vois ton point. Je vois ton point et nous allons sans doute les utiliser. Je pense que je vais garder l'arrosoir dans l'inventaire par contre parce que bah, du coup on va peut-être le faire maintenant. Attendez, j'ai un plan. J'ai un plan qui va consister à équiper, voilà, l'épée ici. Alors, on va tout de suite arroser nos trucs et après on va effectivement faire un tout petit tour sur les mannequins de combat avant de partir à la quête. C'est-à-dire que je me rappelle des basics. Mais je crois que je me rappelle des basics. Les basics, c'est penser à bien utiliser son dodge, penser à bien utiliser l'attaque spéciale et le fait que des attaques spéciales coûtent deux ou trois petits rectangles, enfin losanges bleus qui sont en dessous de ta santé, qui se rechargent quand tu fais des attaques normales. Je crois me souvenir que c'était ça le braille, mais on vérifiera encore bien pour être sûr.
Hop là. Le milieu. Ah, on va prendre notre répit directement. Alors, salut Kevin. D'accord, ça c'est bon. Ensuite, LBRT. Ça c'est le méga wombo. Ça c'est la boule de feu. Ce soir on vous met le feu. Technique qui se prennent quelques secondes à recharger. Et que tu peux whiffer complètement si tu es mauvais. Et oui, du coup tu recharges ça en faisant des coups normaux. Parce que là je fais des coups normaux et ça se recharge super vite. Ok, c'est bon. C'est bon, on y est. Let's go. Et 11h du matin, on va peut-être commencer à en branler une. Alors. Récupérer des dards d'abeilles, salifier les carottes. Partons au sud du champ de la rivière, le portail de la forteresse va trouver le mur extérieur. Partez au sud du champ de la rivière. Je savais même pas que j'avais des attributs. Quand je dis que je sais pas que j'avais des attributs, ne me prenez pas au premier degré non plus. C'est hallucinant d'être toujours Colab Z avec vos sexe. Ah, ah. Terrible. D'accord. Vu. Est-ce que j'ai un TP qui me rapprocherait ? On va prendre des risques. Je suis pas sûr que ce soit un risque qui paye, mais on va le prendre quand même. C'est un risque qui paye. On n'a qu'à descendre droit au sud à partir de là et on est bon. Bonjour, tartez ta gueule. Ah, on a mis quelqu'un en colère. Parce que je me souviens de la touche de dodge. Non ! Putain de bottin de paille à la con. Bonjour. Ah oui, je veux tuer le roi Sliméus Ier. On va pas trop chercher la merde avec toi, hein, parce que je sens que ça va très mal tourner pour moi. Non mais fous-moi la paix, en fait. Est-ce que je lui fais des dégâts? Pas vraiment. Par contre, lui, si. Ok, au revoir, monsieur. Je savais que j'aurais pas dû y aller, tiens. Ok, je sens qu'on va lui récupérer ses putains de dards à la con assez rapidement. Aïe. Non mais par contre il vient de me filer du miel. Voilà autre chose. En de mémoire il faut qu'on descende vers là, oui. On explorait pas un petit peu d'abord. On n'a pas vraiment le temps, mais on va le faire quand même. Ah, vous avez tous décidé de chercher la merde, en fait. Non, dodge. Ok. Ouf. Oh, lui, il a mangé cher, lui. Et pas la chanteuse. C'est un coffre, mais il est déjà ouvert. Comment ça, il est déjà ouvert? Je suis déjà passé par là, non? Il y avait sans doute la même affaire sans se prendre un coup. Je suis certain qu'elle était possible. Bon, on l'a pas fait, du coup. Mais je suis certain que c'était possible. Glu en vert. S'il n'y a pas d'abeille, fuck off the edge of my dick. Hein. Mais par contre, il y a un coffre. 20 pièces. Ça va, je m'en fous de vos vies. Vous pensez pas intéressant. Allez hop, en route. On va essayer de terminer cette quête aujourd'hui quand même encore. Bonjour.
Je viens faire le mur. Ah non, tu es un ennemi, toi. Ah oui, vous êtes clairement des ennemis, en fait. Aïe. Aïe. Aïe, je vais mourir. Je viens de me faire tartiner par des oignons. Je viens de me faire tartiner le groin par des oignons. Je le vis bien. Je suis très détendu. Je vais aller arroser les plantes. Tout de suite après la cutscene de « Oh, tu es mort, hein, il s'est passé ça !» Non, même pas. D'accord. Le jeu n'aura même pas ce respect pour moi. Non, mais je peux récolter des trucs. Et ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Enfin, il me semble que je peux récolter des trucs. Oui. Non, là, c'était une mort, là. Là, non, là, c'était... Je vois que vous essayez de me pousser à me respecter encore, et c'est gentil. Mais non, là c'est une mort. C'est pas bien ce qui s'est passé. Alors d'un côté, on pourrait revendre le blé pour se faire plus de blé. C'est logique, hein, le sucre appelle le sucre. De l'autre côté, je pourrais replanter plus de blé. Mais de l'autre côté, j'ai envie de garder le blé pour éventuellement s'il y a des recettes de blé à faire, genre de la farine. Ou de la semoule. Ou de la serine. Non, ça c'est de la terre, Kevin. Tu es en train d'arroser de la terre. Ça c'est des patates. D'accord, je me demandais ce que c'était que ce truc. Ce sont des pommes de terre. Tubercule, voilà, on a connu. Donc... Replante le blé. Oui, c'est vrai que ça pousse en 2 jours. Ouais, mais c'est acheter des graines et tout, c'est les démarches. Bon, allez, on va aller acheter les graines. J'avais envie d'optimiser l'aventure, moi, aujourd'hui, mais... Non, tu as raison. On va aller rechercher du blé. Non, j'ai de nouveau arrosé le puits. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut pré-shot ? Est-ce que je peux pré-arroser les cases ? Et comme ça, quand je plante les graines, j'ai plus rien à faire. Ça serait du pur génie. Avouez que vous seriez pris d'émotion si ça fonctionnait. Un peu comme Carly Rae Jepsen. Peut-être que j'installe le jeu sur un SSD, les temps de chargement sont très longs quand même. Bonjour. 9 graines de blé. Envoie. Parti. Plus vite, Josiane! L'avenir du continent repose sur toi! Pas vraiment, mais ça te met un peu la pression. Hop. Non. Oui. Non. C'est du pur génie. Quelqu'un me dit que j'ai une nouvelle skill pour moi, on va vérifier. Bah, y a l'archerie. Coco. Mais je suppose qu'il me faut un arc pour utiliser ça. Attendez, raccourci. Je vais essayer un truc. Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Vérifions cette affirmation. Oui, ça me dit pas d'armes équipées quand j'essaie de faire mon skill d'archerie. Coco. Mais, est-ce que j'aurais un truc à acheter chez le forgeron, éventuellement ? Hakim. Alors, je pourrais, hein, mais ça me demanderait 10 de pierre, 1000 pièces patoun et un gros champignon. D'accord. Un gros champignon, il suffit que je me fasse une pédicure pour que ce soit fait, mais bon, pour le reste, ça va être un peu plus compliqué. Bon appétit à tous ceux qui nous regardent en mangeant, en fait. En route.
Donc, je vous emmerde tous. Deux secondes. J'ai encore un lit d'art que j'ai récupéré. Oui. Donc, il ne me manque qu'un d'art. Titre de ma sextape. Bonjour, roi des gluons. Je ne vous veux rien. Vous existez dans votre coin, moi dans le mien, et tout le monde est heureux, d'accord ? Alors... Ah, bonjour ! C'est vous que je cherchais. Vous tombez bien. J'ai pas mon épée d'équiper. D'accord, ça va compliquer un peu les... Non ! Équipe-toi de l'épée, Kevin, et ne bouffe pas les rares... items de soins qu'on a dans le vide. D'accord, c'était peut-être pas le moment de prendre tous les risques. Putain, je viens de me prendre deux coups de la manière la plus stupide qui soit. C'est pas grave, je le vis bien. Ne pas bourriner. Jouer ça comme on jouerait un Dark Soul. Ok, c'est quoi ? Celui-là, je le fais. Non, il y a des oignons nouveaux. Les oignons sont la plaie de mon existence. Je dis pas ça parce que je suis allergique, mais aussi parce que je suis allergique. Ok. Comme ça, je crois que j'ai... Non, il voulait 5 petits dards d'abeille. Attendez, ça va être marqué quelque part. 10. Bon, on en a 8 déjà. Non. Bonjour, je viens par là. Protégez-moi. Ces oignons veulent mon cul. Commandant Azel ! Oh, elle est choupie, elle. Oh, elle est très très choupie. Bonjour, soldat. J'imagine que vous étiez les deux recrues chargées d'assurer la protection du village Patoon. Oui, madame, nous sommes venus ici pour protéger le village. Nous n'étions pas conscients qu'un détachement entier avait été signé la même tâche. L'ordre est venu du roi lui-même. Sa majesté s'est entretenue avec le conseil peu de temps après que le commandant bleu vous a envoyé ici. L'objectif est de faire stationner l'armée royale dans le plus de forteresses possible, même celles qui avaient été délaissées comme rivière. Réagir plus rapidement, même si venait arriver quelque chose au village proche. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Continuez à faire ce que le commandant vous a ordonné, mais au lieu de lui présenter les rapports, vous pouvez me les transmettre à la place. Ok. Ça me va comme bail. Pas de soucis. Pas informé sur les rassurés événements. Alors, on est devenu des mages... Ah oui, merde, non, ça faut pas vous le dire, du coup. Savons-nous ce qui est causé autour du fléau ? C'est pas la première fois que ça arrive, après tout. Future vilaine. Pas impossible maintenant que tu le dis. Nous l'avons entendu de la bouche d'un officier. Enfin, excuse de merde. Chef du village. Oui, voilà, c'est lui qui l'avait mentionné. Très bien. Ça passe. Chef se fait vieux, il a probablement le même âge que ton grand-père. Qui est le grand-père de Nyanza ? Quelques anecdotes. Cassez-vous, je vous contacterai quand j'ai plus d'informations. Oui, madame. Nous allons nous casser. Ah, c'est un village à part entière ici, avec son forgeron, avec ses boutiques, d'accord. Ah, bonjour. Non, d'accord, pas bonjour. Est-ce que vous vendez d'autres trucs, vous, du coup ? Vendez des œufs, du lait et du miel. D'accord. On a une taverne, en bonne et due forme, visitable, visiblement. Mais bonjour. C'est un point de sauvegarde, pourquoi pas, ça fait longtemps. Bienvenue à l'auberge, que puis-je faire pour vous ? Ah, on peut dormir, du coup, récupérer tous ces PV et tout le barda. Bien. Noté. En même temps, tu as probablement raison. J'aimerais que tu me rendes un service, bien sûr. Livrer un colis à ta tante, mais bien sûr. Avec grand plaisir.
Mais écoute, si je peux aider, hein, tu... Mais vraiment, t'hésites pas. Par contre, je vais piquer ces deux omelettes. Ces deux omelettes sont désormais à moi. J'emprunte ces deux omelettes. Ah oui, du coup, je peux me téléporter direct dans ce truc-là maintenant. Mais oui, mais quelle bonne nouvelle, mais quelle bonne idée. Mais quelle joie, quelle caresse, quelle maestria. $1,500. Mmh. C'est Longhurst. 1,500 balles, ça veut dire que je peux m'acheter une nouvelle épée, hein. On est d'accord. On est d'accord que c'est ça le bail. 1,500 balles, nouvelle épale. Ah mais toi tu fais les armures. Et je suis à deux doigts de me choper une armure qui me donne plus 40 de vie, plus 10 de défense physique. Il faut juste 10 rondins et 20 champignons vénéneux. Ah ! Ne serait-ce pas mieux ? Ne serait-ce pas une meilleure affaire ? Je sais pas, j'hésite. Peut-être que si je revends ma production fermière. Parce que demain, c'est 3 jours, hein, et au bout de 3 jours, tout a poussé. Bien, Baron Ziddish, c'est de l'allemand, ça veut dire allons faire un tour. Peut-être pour essayer de récolter ces deux derniers dards. Ça serait plutôt bon trip si j'arrivais à choper les deux derniers dards, parce que du coup on pourrait rentrer, compléter cette quête là. Demain on fait la quête des carottes. Putain d'oignon à la con. Ok, barrons-nous. Barrons-nous, c'est une mauvaise... J'aurais jamais dû venir ici. J'aurais jamais dû venir ici, c'est pas par là que je devais aller. Pardon, mes excuses. Je suis clairement pas assez levelé pour aller me frotter contre ces conneries. Salut les kids. N'oubliez pas, hein, restez à la drogue et prenez l'école. Non, pardon. Quelque chose dans ces eaux-là. Bon, ok, on va se téléporter en fait. On ira chercher les abeilles plus tard. Vu que j'ai paumé le chemin quelque part à un moment, voilà. Pourtant j'avais parcouru le chemin, j'avais tenu. Faut que je remette à qui ton pactage, là, nouveau, Josiane ? Mademoiselle Pomme ? Ah, Mademoiselle Pomme au village Patoum. Closed, oui, ça j'en doutais un peu. Closed aussi, oui, non, donc, je pense que tout va être plus ou moins closed à cette heure-ci. Parce que va trouver qui c'est Mademoiselle Pomme et où elle habite, je vais pas me taper tout le village 4 fois de suite non plus, quoi. Ça va peut-être plus simple de jour, j'entends votre point. Salut Aigluon. Ouais, ça sera peut-être plus simple de jour. Vous avez sans doute raison. On a encore un peu de temps. Allez, on va essayer de récupérer les derniers dards à la con, là. Ça va me faire plaisir. Si on arrive à boucler ça me ferait plaisir. Donc on va retourner ici. Et on va essayer de choper encore les deux derniers dards. Tel Frédéric. Je crois que j'ai déjà fait aujourd'hui celle-là, mais c'est pas grave. Hein. C'est selon arrivage, les vannes. Vous comprenez, c'est... pas tous les jours Noël. À partir d'ici. Aurait-on moyen d'eux? Ou alors il n'y a plus que les chauves-souris parce qu'il fait nuit. Et du coup les abeilles, je me les colle au cul. C'est pas impossible. Je vais être franc avec vous, c'est pas impossible. Il se peut que ça se puisse. Parce que pour l'instant, j'ai plus vu une seule abeille, mais par contre, il y a des chauves-souris partout. Et maintenant, il y a des sortes d'esprits. Non, c'est toujours les oignons. Ça. Mon dieu! Il y a le roi des oignons qui est là. La zigouille citrouille. Je crois qu'elle veut me faire les culs. C'est pas grave, on bute une chauve-souris.
C'est important pour moi. Si je tue pas un être vivant, j'ai pas gagné. Non ! Ok, je me barre. Bonjour. Alors du coup, on est où là ? On est du côté de la taverne. Ah oui, d'accord, je croyais pas du tout qu'on rentrait par là. Très bien. C'est un échec. On rentre. On rentre et on va se pioter. On fera le reste demain. Il y a un moment, il faut savoir assumer ses échecs. Et moi, c'est un peu le slogan de ma carrière. Carrière. Pardon. Ça va bien se passer. Alors, oui, je vois qu'il clignote. J'entends votre point, mais alors, à moins que je loupe un truc évident... Pour moi, ça clignote dans le vide, mais bon. Alors, par contre, le blé pourrait quand même aller dans le coffre. On fait un peu de rangement, vite fait. Rien que le garde dans l'inventaire non plus, ça non plus, ça on en a déjà. C'est un truc. Il nous faudrait quoi? Des champignons vénéneux, je sais qu'on en a besoin pour des choses. Il nous faudrait des rondins, mais les rondins on en a 4. On risque de pas crafter grand chose, Starry Flame. Bonjour. Ou plutôt devrais-je dire bonne nuit. Bon, on va encore faire une petite journée. Hop. Ça fera déjà 3 quarts d'heure et puis du coup je vais aller me poser un peu moi. Let's go. Allez, on va aller chercher. On va aller récolter nos trucs, on va aller chercher la mademoiselle Pomme là. Vu que tout doit être prêt ce matin, oui. On ira replanter les trucs après aussi. Je pense que les pommes de terre, je vais les vendre. Je pense que je vais vendre tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que pour l'armure, pour l'arme et tout ça, on va avoir besoin de moult moula. Et on est clairement à la bourre au niveau des ressources. Ce qui me fait demander, du coup, si je peux aller récolter des trucs dehors aussi. Est-ce que je peux aller abattre des arbres, récolter de la pierre, etc. hors du champ de ma ferme? Parce que niveau ressources, ce serait plus pratique. Je viens de voir qu'il y a une pierre qui a popé là en bas. Je viens de voir aussi que la case que j'avais fermée en trop a été refermée, Dieu merci. Parce qu'elle était particulièrement disgracieuse. Oui, l'épreuve du fermier. On va aller s'en occuper. Hop, bon. Chope-moi la pioche qui est encore dans mon inventaire. C'est pas banal ça. Je croyais que j'avais gardé la... Ouh, en fait j'avais gardé la pioche. Très bien. C'est une bonne nouvelle du coup. On va aller piocher ce morceau de caillasse à la con. Et c'est tout ce qu'il y a dans mon champ qui a popé. Oui. Pas que bonne nouvelle. Bonjour, je voudrais ranger cette caillasse, merci. Ah, ça renarde, toujours, oui. Oui, mon cher Winnie. Allons donc. Mais là, surtout, on va aller en ville régler des quêtes. Moult et pléthore. Ça n'est pas vulgaire. Quel joli petit champ. Oui, vous. Est-ce que ce serait pas toi? Si, c'est Madame Pomme! Comment je te parle? Bonjour. Bonjour mes chéris, vous avez faim? Alors goûte-moi ça. C'est de la part de ma chère Azel? Oui. Elle a vraiment pas changé. Déjà quand elle était petite, elle était toujours prête à rendre service en oubliant de prendre du temps pour elle. Elle va bien, ma pauvre petite. Oh, choupette. Bien aidée à la femme que je suis, bien sûr. Cuisiner son dessert préféré, j'aurais besoin de votre aide pour obtenir les ingrédients principaux, les pommes.
Les chauves-souris, ils aiment bien les pommes. Vous devriez demander où ils les trouvent. Tout le monde est assez aimable pour répondre. Il m'en faudrait 10 si vous trouvez des chauves-souris près de la rivière ou cachées dans la grotte. Je crois me souvenir qu'on les trouve de nuit, surtout. Mais on va lui récupérer les pommes. 500 balles ! Merci. C'est noté. Du coup, on va t'acheter de nouveau des graines, toi aussi. On va aller acheter... Ça va niveau thune, on est bon. Donc, pommes de terre x9. Ah oui, il faut que je les achète directement. C'est vrai que je peux pas faire de panier ici. Carottes x9. Choux x9. Hop là. On va aller planter tout ça et puis après on va aller partir. On va aller partir vérifier 2-3 trucs. On va vérifier si on peut récolter des machins dans le. Dans l'open world ou pas, etc. Ça m'intrigue. Il faut que je sorte. On va aller revendre nos récoltes aussi. Donc, X. Hop. X. Hop. J'avoue que ça se passe relativement sans douleur hein, par rapport à d'autres jeux du genre. C'est quand même relativement confortable. Vers le bas. Pour l'arrosoir. J'avais un peu de mal à lire le machin. C'était peut-être un peu petit pour moi. Avec mes yeux fatigués. De 79. Non, j'exagère pas. Arrêtez avec ça. Jamais de la vie j'ai exagéré. Non, je vais je vous jure qu'à un moment, avant la fin de ce stream, je vais arrêter d'arroser ce puits. Je vais vous faire une promesse. Une seule. C'est qu'avant la fin de ce stream, je vais arrêter d'arroser ce puits. Salut Simiesque. Je prendrai pas un engagement comme ça pour ne pas le tenir, d'accord? Faites-moi confiance là-dessus. Oui, bah le farming fonctionne bien, du coup. Hein. Le farming fonctionne comme tous les autres jeux du genre. C'est ça. Est-ce que je serais pas en train d'inventer une sorte de mouvement perpétuel hein? Parce que si j'arrose le puits, ça remet de l'eau dans le puits, et ensuite je reprends l'eau du puits pour arroser. Mais à la fin, j'en remets toujours un petit peu. Hein? Je suis un peu le Elon Musk de ce farming game. J'ai un intellect supérieur. Ok. Alors, du coup, à des fins d'expérimentation, on va déjà... Mais je parle espagnol couramment, je suis sûr que ça vous impressionne quand même. On va déjà faire ça. On va aller revendre des trucs. Du coup, ici, je veux que les pommes de terre, les choux... Ah, et on a tout de suite le prix de vente. 2000 balles! Ouais, on va vendre des trucs. 2000 balles pour cette récolte-là. Putain, je devrais en planter plus. Tu vas revendre des trucs avec la grosse équipe. Ouais, bah tes pommes de terre, je les reprends 50 chacune. Alors, je vais te présenter Gertrude. Y a personne avec toi. Non, c'est mon épée. Oui, ou 75. Oh, Gertrude est pas contente. Ok, bon, 120, je te les reprends. Ah, c'était pas compliqué, je sais, tu vois. D'accord. Spoiler, je crois qu'on peut récolter des choses dans l'open world. Je vous livre cette information un peu comme je suis en train de la voir. J'aurais dû prendre la hache, je suis con. Est-ce que j'ai pris la hache? Non, je suis con. C'est pas grave, on apprend. Ah, par contre, il va falloir que je sois réactif sur le switch de l'épée au... Et merde, putain de gluon du trou à la con! C'est ces petites pierres-là que je vais pouvoir buter pour l'instant et pas les autres. Non plus. Je
Je suis à peu près certain que je peux abattre ces arbres, mais au niveau des pierres que je peux abattre, c'est les trucs que je peux... Ça par contre, c'est un gros champignon. Je pense qu'il me faut la faucille en fait. Putain, j'aurais dû prendre tous les outils. Faute de débutant. Faut que j'en ai le cœur net. Demain, on fera encore une journée de plus. Enfin, là, aujourd'hui, pardon. On fera encore la journée de demain in-game parce qu'il faut que j'en ai le cœur net. Je suis parti trop tard pour récolter les dards. Je pense que nous allons être time out. C'est pas très grave. Avec un peu de bol, je peux encore en choper un ou deux et c'est tout ce qu'il nous faut. Allez, conne d'abeille, ramenez au cul. Comment j'ai pu me prendre le coup là alors que j'étais de dos? Je devais pas être assez de dos. D'accord. Et merde, et merde. Mais fais des dodges! Ok, tout va bien. Tout va bien, les risques sont entièrement mesurés. Pourquoi tu ne dodges jamais en fait? C'est ça moi la question que j'ai envie de te poser. C'est bon, on a tous les dards d'abeilles qu'il nous faut. Allons nous TP. Non, tu sais quoi? On va aller presser. On va prendre un petit moment à l'auberge. Parce qu'il faut qu'on tape les chauves-souris aussi. Ça veut dire qu'il faudra qu'on repasse dans cette zone-là de nuit. Avec les oignons vengeurs et toute la merde. C'est pas grave, je vais prendre tous les risques. Il est très pipou. Il est très pipou et il est très agréable à jouer. Ce qui n'était pas forcément la partie gagnée d'avance du truc, hein, on va pas se mentir. Mais il est vraiment très agréable à jouer. Manette en main, le système de combat et tout est vraiment globalement agréable. Je peste parce que je suis mauvais, mais c'est vraiment agréable. Alors si je dors ici, est-ce que ça fait passer le temps à la journée suivante? Oui. D'accord, donc ça n'est pas juste du « Ah, je fais une petite sieste d'une heure, je reviens. » Noté. Par contre, ce coffre, il est à moi là-bas. Pourquoi vous avez mon coffre? Ah, il faut une clé d'argent. J'irai récupérer mon coffre à l'occasion. C'est mon coffre à moi. J'en ai besoin pour des trucs. Donc, TP à la maison, arrosage des plantes, récoltage des outils, vérification d'informations. Et après, arrêtage du stream, parce que voilà. Mais voilà, c'est le plan. Let's go. Ah oui, toi là-bas, d'abord toi. Oui! Skie un peu. D'accord, je reviens demain. Bonjour! J'aurais dû prendre des graines de blé tout de suite. Je vais prendre des graines de blé tout de suite. Même si je suis à peu près certain que le blé ne se revend absolument pas. Ou à des prix complètement dérisoires, parce que pousser en deux jours, forcément, voilà. Il va être utile à un moment ou à un autre. Donc, file-moi direct 9 graines de blé. Gagnons du temps sur les allers-retours. Ça évitera de faire chier tout le monde. Par tout le monde, je veux dire moi. Ça évitera de me faire chier. Et il pleut jamais dans votre pays, bordel! Parce que c'est pas que ça m'arrangerait, mais ça m'arrangerait un peu, quoi. Alors, arrosoir. Équipé. Voilà, on va juste l'équiper comme ça. Ça vaudra mieux. Alors non, on peut pas maintenir la touche et continuer d'avancer. J'ai essayé de faire des petits bails pour en mode... Oh non, je vais économiser mes petits doigts bouguinés, c'est rien, c'est compliqué. Alors non, Netgang, pas monstre, Monsanto, c'est pas le même mot,
Je sais que ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose. C'est juste qu'on utilise effectivement de nouvelles graines OGM extrêmement efficaces. Écoute, c'est l'avenir. Hein. Moi, je suis pas là pour aller contre le cours de l'histoire. Hein. Je sais que toi, voilà. Bon. J'ai vu la pierre qui brille. Je suis sur le dossier de la pierre qui brille. La pierre qui brille va être défoncée. Hein, on va pas se mentir. Hein. Il va se passer quelque chose de très sale avec cette pierre à moyen terme. Ça fait partie des projets là. Hein, c'est sur le moyen terme, disons, ça va arriver. Alors déjà, on dit pas un élevage de cochons, mais une maison close, s'il te plaît. Il y a des termes pour ça. Et voilà, hein, un peu de respect, s'il te plaît. C'est hallucinant, Netgang, quand même, d'être toujours là dans ce genre d'état d'esprit. Moi, ça. Inventaire. Non. Équipé. Pioche. Eh bien, pierre qui brille, amasse pas mousse. Hein. Permettez-moi de vous le dire. Ça, on l'envoie. Le blé, on l'envoie. La pierre, on l'envoie. Les dards d'abeilles qui ne servent à rien aussi. Ça, pour l'instant, ça ne sert à rien non plus. Le lait, on va le mettre de côté pour l'instant. Bien. Il va nous falloir, du coup, la pioche qu'on a déjà en main. On va prendre ça et on va prendre ça. Et nous allons les raccourciser. J'arrive, c'est compliqué les touches, c'est toujours le même problème, mais j'arrive, voilà. Supprimer complètement les objets de soi, c'est audacieux. Est-ce que ça se passera bien? Moi, j'en suis sûr. J'ai confiance en moi. Si vous avez confiance en moi, ça se passera bien aussi, mais moi, j'ai confiance en moi. Parce que là, on commence à avoir de la thune, mais il va vraiment falloir qu'on s'achète des meilleurs outils, des meilleures épées, des meilleures armes, des choses pour nous faciliter un petit peu la vie, parce que là, sinon, on va commencer à en chier les bulles carrées très rapidement. Eu égard par rapport au fait les oignons, si vous voulez. Je sais pas si c'est plus clair dit comme ça. Pour moi, ça l'est en tout cas. Alors, je ne vous emmerde pas si vous m'emmerdez pas. C'est le bail. Non. Non. Putain, mais j'aurais parié. J'aurais parié mon slip. Et j'aurais perdu mon slip, du coup. C'est une bonne nouvelle. Non, ça non plus. Ah, c'est une déception. Parce que si tu regardes, quand la caméra se met comme ça, tu vois l'intérieur du rondin. Tu peux récolter que ce qui brille. Ça serait censé. Légèrement décevant, mais censé. On va quand même essayer d'aller dans la grotte là-haut. Je vous emmerde pas, calmez-vous. Salut, le roi d'aiguillon. Je suis cool avec toi. Oh, il y a un coffre ici. Il y a un croissant. Quelle bonne nouvelle. Est-ce que là-dedans, doit y avoir des trucs à miner? C'est pas possible. À propos de miner, je suis légèrement miné, là, quand même. Ah, bah, il y a les chauves-souris. Non. C'est ça ce que je voulais faire. Enfin, les choses soyeux, pour être plus précis. Qui ont des pommes qu'on doit récolter, c'est vrai. Manger des pommes. Aïe. Merde. Oui, il faut pas que je me commit, en fait.
Parce que si tu commences à comboter en appuyant 15 fois sur la touche, tu n'auras forcément pas moyen de te défendre. Donc il faut pas que je joue ça comme si je jouais à Dynasty Warriors. Putain, mais même en... Mais il s'est retourné au dernier moment ou c'est moi? Ça devient ridicule. Bon, on va peut-être quand même prendre un objet de soin. C'est pas possible, je peux piocher des trucs là quand même. Est-ce que les pierres que j'avais vues là dans le décor... Attendez. Non. Elles brillaient pas toutes, si. Même si celles que j'avais chopées là dans la ville, que j'avais trouvées, ville de lumière, quand il fait de toi. Faut que je revérifie la bande. Parce qu'auquel cas, déception, hein, vraiment. Oui, ça brillait, d'accord. Il faut juste que je me serve de mes sorts un peu plus souvent aussi. On est où niveau mana? On est pas trop mal. Il fait nuit dans la grotte, donc. Je suis très fier de moi. Je suis très fier de ce combo dans le vide. Ce combo dans le vide, c'est la victoire de moi, mais de toute l'équipe. Salut Kevin. Tu le vis bien, toi, ou tu le vis pas bien, en fait? Tu attaques comment? En large cône. Très bien. J'aurais pu me douter qu'un mec comme toi attaquait en large cône. C'est le rapport au fait que tu es drogué, en fait, Kevin. C'est surtout ça, moi. L'insinuation, c'était que tu prends des produits stupéfiants, hein, de type psychotrope. Non. Putain. Ok, vous savez quoi? Vous m'emmerdez tous. Vous m'emmerdez tous, je rentre chez moi. Non, attendez. Il faudrait peut-être que j'essaye de choper encore une ou deux pommes. J'ai 12 PV, je me sens moyennement. J'avais plus assez de mana pour faire la deuxième partie du combo. Tout va bien. Chaque risque est mesuré. Ça pour une putain d'aile de chauve-souris à la con. Ok, je me barre. Je me barre. Là, je 4 PV, je prends pas de risque inutile. Je suis quasiment sûr qu'il y a un point de TP ici. Oui. C'est les chauves-souris qui font un bruit de claquette, c'est les battements d'ailes. Enfin, je suppose que c'est censé être les battements d'ailes. Je crois que c'est ça l'idée. Bon! Alors, on a commencé à lui récolter ses fucking pommes. Au prix de notre vie, mais ça, c'est pas très grave. On apprend, hein, c'est compliqué. Ah oui, c'est le village Patoun. Patoun, allons donc! Hop! Et on retourne ici.
Bon, ça va, on a déjà trouvé 6 pommes. Ça devrait pas être si compliqué que ça de trouver le reste. Par contre, légère déception vis-à-vis de la récolte des trucs, mais je vais me renseigner encore. On y reviendra de toute façon, on se refera encore une ou deux petites sessions, peut-être avant la sortie, si j'arrive, ce serait cool. Allez hop, au revoir YouTube. Ah, d'abord sauver la partie. Attendez, je ne vais pas faire mon sac pour une fois, parce que je le vois venir gros comme une maison. Fais pas genre je te vois venir avec tes belles jambes, tu crois tout permis, hein, on le sait. C'est-à-dire que d'abord dodo. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, sauver la partie. Même si ça dit progression sauvegardée, hein, moi, je suis toujours l'homme de la double sécurité. C'est pour ça que je mets toujours deux préservatifs l'un au-dessus de l'autre. C'est pour la double sécurité, on m'a dit que c'était vachement... Allez, à très vite, YouTube. Bisous.